Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté dernièrement chez Action. J'en ai eu pour une trentaine d'euros au total. Donc j'ai acheté un casque. J'en avais besoin pour brancher à mon ordinateur pour regarder des vidéos le soir. Maintenant que je fais des coloriages. Donc il se présente comme ceci, donc il est pliable. C'est un verre kaki que j'ai pris avec sa prise jack, donc il est assez confortable, c'est super, parfait. J'ai acheté un petit bloc de feuilles blanches pour mon fils qui puisse dessiner. Ensuite, j'ai acheté des yeux de Pâques à décorer. Donc, il y en a des blancs, il y en a qui sont déjà avec des petits contours juste à colorier. Ensuite, j'ai pris des petites décorations comme ça à fabriquer lui-même. Donc, il y a des œufs. Vous avez aussi des moutons. Voilà, qui se présentent comme ceci. Il y en a quatre à chaque fois. Et des petits poussins avec des œufs comme ça. Et pourra faire ses petites décorations de Pâques. Avec ceci, je lui ai pris des petits autocollants pour les fenêtres, parce qu'il adore ça. Il adore toujours décorer sa fenêtre pour des fêtes, donc je lui en prends toujours des nouveaux à chaque fois. Et je lui ai pris aussi un petit vitrail comme ça, à colorier. Voilà, donc avec ses petites peintures, un petit lapin. Ensuite, je me suis repris un dentifrice, je l'adore, c'est charbon. Et un petit savon, donc c'est un savon mousse. Ils sont très très bons également. J'ai pris un petit baume à lèvres, un thème Disney. Un petit masque pour les pieds. Et un petit masque pour le visage. Ensuite, j'ai acheté également un petit jouet pour mon chien. Voilà, il a l'air assez solide. Ensuite, j'ai pris deux petits paniers comme ça, donc un blanc et un gris pour mettre dans ma salle de bain, pour ranger des cotons-tiges dedans, ce genre de choses. J'ai également acheté un petit carnet pour les to-do list. Je ne sais plus combien il y avait des feuilles dedans, mais il y en a vraiment beaucoup. Ça se présente comme ceci, donc vous avez la date à mettre en haut. Ensuite, vous avez tous vos tâches énumérées et des petites cases pour les cocher quand vous les avez terminées. C'est génial. Très pratique. Et en tout dernier, je me suis pris un petit kit pour faire du crochet. Donc c'est pour faire un petit singe, une petite peluche. Donc normalement, tout est dedans. Vous avez du coup du coton, des fils, de toutes les couleurs qu'il faut. Voilà, tous les outils, la notice qui montre comment on fait. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Je sais que vous pouvez scanner également et vous pouvez regarder sur une vidéo comment on effectue le petit singe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt dans une nouvelle.